Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien et on vous retrouve aujourd'hui non pas pour une séance de fitness mais pour une explication pourquoi nous n'avons pas de séance de fitness cette semaine. Aïe 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 aïe. Voilà, pas de séance de fitness cette semaine parce que on a eu, je sais pas si vous nous suivez sur la chaîne de vlog, d'ailleurs je vous invite à nous suivre, le lien est dans la barre d'infos et quelque part sur la vidéo si vous cliquez sur le i. Parce que voilà, on vous dit un petit peu au quotidien, au jour le jour ce qui se passe, on fait des vlogs, un vlog par jour. Mais en fait on a la petite Elena qui est malade. Notre voilà. Enfant. Donc elle a bientôt 6 mois et elle a eu une belle otite. Voilà, donc ça a été assez compliqué, la fièvre, tout ça. Là elle est encore un peu patraque et elle commence à... Enfin il y a un nouveau problème qui arrive, c'est qu'en fait elle a un hémangiome. Depuis, elle l'a eu, il est apparu genre 2 semaines ou 1 semaine après sa naissance. Ouais. Et le médecin nous avait toujours dit qu'il fallait surveiller que ça évolue pas en fait, hein, simplement que ça ne grossisse pas et tout ça. Et en fait, le problème c'est que placé où il est placé, il peut y avoir des frottements. Et là, il s'est mis à saigner depuis deux jours. Et voilà, donc on est assez stressé, préoccupé par ça. Donc là, on s'occupe d'elle et... Si vous savez pas ce que c'est un hémangiome, ça se trouve très facilement sur... voilà, vous allez voir, vous tapez sur Google, il y en a différents. C'est une petite tache c'est rouge. C'est pas forcément petit, en fait c'est une tache de vin. Ouais. C'est une tache de vin qui peut être en relief. Voilà. Voilà. Et donc qui est gorgée de sang. En fait. Et donc qui peut s'infecter, etc. Et donc, peut devenir cancérigène. Donc ça fait une semaine que on a eu l'otite, le rhume. La fièvre. Et là depuis 2 jours on a ça. L'hémangiome qui saigne. Donc... voilà. Donc ça nous tracasse un peu, mais ça va quand même, on s'en oui, sort. Oui, ça va aller, mais disons que... On n'est pas au point d'aller aux urgences, on va attendre demain. On va aller demain chez le médecin, donc voilà, donc voilà. Donc on a pris beaucoup de retard dans les tournages, et donc y compris dans les tournages de fitness. Ouais. Donc voilà, vie de famille prend quand même la priorité. Oui. Hein, sur la vie professionnelle. Oui, après c'est vrai que je pense que... Si vous êtes plusieurs à attendre avec impatience la séance de fitness du dimanche, donc pour ça... Ouais. On s'en excuse, mais voilà, vous pouvez par exemple, voilà, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller piocher dans une de mes anciennes séances. Je suis sûre qu'il y en a une que vous n'avez pas faite, il y en a plus de 150 ou 160, je ne sais plus. Donc allez voir, je suis sûre qu'il y en a une que vous n'avez pas faite. Et si vous avez déjà fait toutes les séances, vous pouvez peut-être aller faire la première séance d'essai gratuite du programme Beauty Time. Le lien est dans la barre d'infos, vous pouvez aller le voir, c'est gratuit. On s'inscrit en 30 secondes et vous pouvez faire la première séance, elle dure 40 minutes, c'est assez intense et voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a la première séance de gratuite, ça va. Donc encore désolé, on a pris du retard, mais la semaine prochaine on va mieux s'organiser. Oui, on s'organisera mieux et la séance de fitness sera en ligne. N'hésitez pas à nous suivre tous les jours sur la chaîne de vlog Juju Baby. Ouais, si vous voulez des nouvelles de la petite, ou de nous. Ouais, exactement. Voilà. En tout cas, on vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous. Passez un bon dimanche. Oui, et puis je pense que très bientôt je ferai de nouvelles vidéos un petit peu routine soin, cheveux, beauté, peau. Et très bonnes vacances à ceux qui commencent leurs vacances demain et très bonne rentrée à ceux qui ont leur rentrée demain. Voilà. Désolé, ça, c'est comme ça, c'est chassé croisé quoi. C'est ça. Faites attention sur la route si vous êtes au ski. Et mettez-nous un petit pouce bleu si vous avez aimé cette petite explication. Mettez pas un pouce rouge si vous êtes déçu de qu'il n'y ait pas de séance de fitness parce que ça va me rendre triste. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait et puis on vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.